Mon nom, c'est Georges Dejarre. Je suis directeur du bureau de projet pour le service ici à Moncton. Je suis aussi un PMB. Je m'appelle Pierre Gagnon. Je suis gestionnaire de projet chez Assurance-Survie en ce mois de IG. Marc-André Ré, président propriétaire de Directis, PMP et maître ceinture-noire Six Sigma. Ça va? Pour nous, la gestion de projet, c'est comme le hockey. Vu de loin, bon, ça paraît bien banal. Mais lorsqu'on analyse chaque petit détail et tous les efforts encourus par les joueurs, on réalise que gagner la Coupe Stanley, c'est vraiment un gros travail. Évidemment, la clé du succès, c'est quoi? C'est vraiment de créer une synergie entre l'équipe et la stratégie. Alors, c'est à titre de gestionnaire de projet que nous avons l'honneur de venir vous présenter aujourd'hui mes collègues Marie-France Gauvreau, Mélodie Rémillard et moi-même Audrey Lacasse, notre proposition qui sera assurer le succès dans ce projet. Donc, au niveau de la situation actuelle, on a vu que dans l'entreprise en ce moment, les joueurs se sentent moins engagés, donc ils ne sentent pas vraiment de valeur ajoutée à aller jouer avec les loteries vidéo. Donc, un petit peu de diminution de participation. Au niveau des loteries vidéo, on a vraiment réalisé que ça représentait énormément de votre chiffre d'affaires, très important. Puis, avec ces machines-là, vous êtes capable de stocker les données en fond, dans un système central, mais vous n'avez pas les informations personnalisées sur les joueurs. C'est pourquoi votre département de marketing a décidé vraiment d'établir un programme de fidélité. De ce fait, nous, on est ici aujourd'hui pour vraiment vous aider à développer un plan méthodologique pour la gestion du projet de système de fidélisation au sein de l'entreprise. Donc, vraiment vous donner des indices. De ce fait, ce qu'on vous présente aujourd'hui, nos objectifs dans la présentation, c'est vraiment d'élaborer avec vous l'équipe de projet pour le projet de fidélisation. Ensuite, vous présenter un plan de réalisation en 5 étapes. Puis, ce qu'on veut aussi vraiment faire tout au long de cette présentation, c'est mettre l'emphase sur la gestion de changement avec vous, la communication tout au long du projet, et finalement, finir avec des petits indicateurs pour la réalisation de ce projet. Donc, premièrement, il est très important d'attribuer un rôle et une responsabilité à chacun de vos membres dans l'équipe. Donc, on vous propose une structure pour votre organisation, pour la gestion de projet. Donc, au cœur de celle-ci, il y a le chef de projet. Et on vous propose tout ce qui est les éléments qui sont en orange dans notre gouvernance. C'est des nouveaux éléments qu'on a apportés. Et ceux en bleu, c'est ceux qui avaient déjà été mentionnés être au sein de l'équipe de projet actuellement. Donc, plus précisément, on vous propose d'ajouter un bureau de projet et un contrôleur de projet. Ça n'a pas été mentionné qu'ils étaient présents dans l'équipe de projet, donc peut-être que c'est quelque chose qui est déjà au cœur de l'entreprise SLA, mais c'est vraiment important d'en avoir un, puisqu'on sait que l'entreprise, c'est une très grosse entreprise, va avoir plusieurs projets, donc un bureau de projet va pouvoir coordonner tous ceux-là. Donc, de là va découler le chef de projet pour le projet de développement du nouveau système, et également un contrôleur de projet qui va être sous le bureau de projet, qui va pouvoir aller pour le contrôle des coûts et des délais. Également un comité de direction, donc il va avoir soit le commanditaire qui va être présent ou quelqu'un qui va représenter le commanditaire à travers ce comité de direction, puis toutes les parties importantes de direction de l'entreprise qui vont vouloir avoir des suivis d'avancement du chef de projet. Et également une table stratégique qu'on vous propose, c'est avec les joueurs. Donc, c'est vraiment d'impliquer les joueurs dès le début de votre projet pour avoir leurs avis, leurs commentaires tout au long et pouvoir adapter le projet par rapport aux avis de celui-ci. Oui, en fait, on pense que c'est vraiment important puisque le projet, c'est de réaliser un produit final qui va vraiment servir à l'utilisateur. Donc, ce qu'on vous propose, nous, c'est vraiment d'aller chercher 12 joueurs par province. Donc, selon aussi
Donc, un échantillon représentatif de votre type de joueur. On veut vraiment tester tout au long du projet, dès le début, ce qu'on met en place. Est-ce que ça va vraiment répondre à leurs besoins et surtout à leurs attentes? Parce qu'au fond, c'est eux qu'on veut satisfaire avec notre projet. Donc, tout au long du projet, on va pouvoir travailler avec cette personne-là. Ils vont communiquer avec l'équipe de projet. On pourra faire des rencontres quand ça sera nécessaire. Pour la deuxième partie de la gouvernance, nous avons une équipe TI qui va comporter des membres, des employés en fait, qui sont déjà à l'interne et des employés aussi que nous allons engager de l'externe. Donc, cette équipe-là va pouvoir faire tous les mises à jour des systèmes qui sont actuels et aussi de faire la nouvelle implantation du nouveau système. Ensuite, nous allons avoir une équipe de promotion qui relève de l'équipe de marketing. Donc, cette équipe de promotion-là est vraiment mise en place pour assurer la gestion du changement. Votre entreprise est une entreprise, l'entreprise est une entreprise qui prend la responsabilité sociale, la transparence. On veut vraiment mettre au cœur nos utilisateurs finaux. Donc, c'est pourquoi cette équipe de promotion-là va pouvoir soutenir tout au long du projet les utilisateurs finaux. Et ensuite, nous avons aussi des employés de support technique aux joueurs. Donc, lorsqu'on aura l'implantation du nouveau système, cette équipe-là pourra servir de support aux joueurs qui auront des difficultés. Donc, pour la mise en œuvre, on va travailler avec les cinq phases que vous utilisez déjà dans l'entreprise. Donc, tout d'abord, l'initiation, la planification, l'exécution, l'évaluation et le contrôle, en terminant par la conclusion du projet. Donc, tout d'abord, au niveau de l'initiation, on a vu que c'était déjà entamé, on a eu l'idée du projet, il y a des démarches qui ont été engendrées pour former l'équipe. Nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est valider là, dans les premiers temps, vraiment, qu'est-ce qu'on veut faire, préciser un petit peu plus ça, donc acquérir les connaissances au niveau du produit, qu'est-ce qu'on veut vraiment développer. Ensuite, bien comprendre l'entreprise pour s'assurer que ce qu'on va développer va vraiment coordonner. Et finalement, comprendre les exigences du système qu'on veut mettre en place, mais surtout les exigences de notre système en place présentement pour assurer la coordination de ces deux éléments. Ensuite, pour la deuxième phase, la phase de planification, nous avons plusieurs étapes. Tout d'abord, définir le dossier d'affaires. Ensuite, définir faire l'analyse des besoins des utilisateurs. Ensuite, s'assurer de la validation du contrat qu'on a signé avec le fournisseur externe. Donc, on pense à des clauses de non-compétitivité, entre autres, et de confidentialité. Ensuite, on vous propose de faire le plan d'embauche et ensuite procéder à l'embauche. Et ensuite, on va faire l'analyse des risques. C'est très important de faire l'analyse des risques dans le début d'un projet afin de vraiment minimiser tous les problèmes qu'on pourrait avoir. Ensuite, on va faire la rédaction de l'échéancier, du budget, ensuite le plan de communication, plan de gestion de changement et le plan de formation. Pour ce qui est du dossier d'affaires, c'est en fait de faire un dossier avec votre mission, votre vision, vos valeurs. Entre autres, nous avons l'intégrité, la responsabilité sociale, puis vos principes d'exploitation. Ce qu'on veut savoir, c'est vraiment le projet qu'on va mettre en place. Est-ce qu'il respecte notre dossier d'affaires? Est-ce qu'il concorde toujours? Donc, on veut vraiment valider la faisabilité et la durabilité financière, technique et opérationnelle de ce projet-là et s'assurer tout au long du projet que ce projet-là correspond au dossier d'affaires qu'on établit. Par la suite, il y a évidemment les risques. Donc, c'est très important de planifier chacun de nos risques. Ici, on a décelé les plus gros, les plus importants avec la sévérité et l'impact les plus élevés. Donc, il y aurait la non-adhésion des utilisateurs, donc le refus de ceux-ci de s'inscrire au nouveau système. La mitigation qu'on vous propose pour celle-ci, c'est la table stratégique des utilisateurs. Donc, de vraiment les impliquer dès le début, d'avoir leurs commentaires. Pour mieux faire les promotions par la suite et intégrer tout ça pour les inscriptions. Également, la gestion du changement et la promotion, comme j'ai mentionné. Il y a également le nouveau système incompatible. Donc, c'est vraiment un risque qui serait important à considérer puisque ça aurait vraiment un impact considérable étant donné que les deux systèmes ne sont pas compatibles. Donc, c'est une contrainte qu'on a de mettre à jour le système et également d'ajouter des ressources TI. Donc, de vraiment avoir des personnes qui vont faire le développement de
de la nouvelle interface pour les loteries vidéo et de mettre à jour les deux systèmes pour assurer la compatibilité et également les groupes d'influence contre le projet. Donc, c'est vraiment de miser sur toute la promotion pour le jeu responsable et d'avoir une transparence à travers nos publications, notre promotion. Donc, c'est la communication avec les différentes parties prenantes tout au long du projet et lors du lancement officiel qui va se faire. Pour ce qui est de la gestion de changement, comme on a dit, on veut vraiment rester transparent avec nos utilisateurs. On veut assurer leur participation. Donc, c'est pourquoi... Ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller mettre dans tous les points de contact où est-ce que il y a les systèmes de jeu, des affiches avec un lien vers notre site web. Avec le site web, nous allons avoir vraiment toutes les étapes du projet avec toutes les informations nécessaires pour l'utilisateur afin qu'il puisse suivre l'évolution du projet. Donc évidemment, ce qu'on veut faire, c'est assurer la transparence et autant du projet que de l'information. On veut vraiment sensibiliser l'utilisateur final et, comme je disais, assurer la participation de celui-ci et aussi informer les groupes d'influence. Et ensuite, pour vraiment les joueurs, on aimerait mettre en place un groupe de promotion. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment avoir un groupe qui va aller dans les centres ou les points de contact, puis vraiment être là à titre de support pour les utilisateurs, puis aussi leur expliquer les bénéfices de ceux-ci. Et voilà, c'est ce qu'on veut faire avec le groupe de promotion. Et ensuite, on va faire un lancement officiel du projet avec une conférence de presse. Il y a également l'information qui est très importante à prendre en compte lors de la planification. Donc, notre plan de formation ici, c'est relié à l'équipe TI. Donc, ils vont avoir une formation sur l'entreprise, sur le rôle, sur les systèmes. C'est vraiment une formation mineure puisqu'ils vont être engagés et ils ont déjà les compétences pour le nouveau système. Ça va être une après-midi avec le directeur TI pour vraiment les impliquer dans leur département. Et également, les employés de support technique. Donc, c'est ceux qui vont faire affaire avec les utilisateurs finaux, donc les joueurs. Il faut les former pour le nouveau système pour répondre aux questions qu'ils vont avoir. Donc, c'est vraiment... Sur le service à la clientèle et le nouveau système. Et tout ça va se faire en une journée. Donc, ça pourrait être divisé pour service à la clientèle et nouveau système ou ça pourrait être mixé ensemble. Ça, on vous propose de faire affaire avec une firme externe, la firme externe actuelle qui développe le système. Donc, ça serait à revoir dans le contrat pour avoir une mini-formation qui pourrait être appliquée pour les employés du support. Au niveau de la communication, ce qu'on veut vraiment faire, c'est tenir au courant autant les employés à l'interne que les utilisateurs finaux, comme on l'a beaucoup mentionné. Donc, tout d'abord, lancement de projet. On veut le faire autant à l'externe avec la communication de presse, mais aussi à l'interne avec les employés qui font partie de l'équipe de projet. On veut vraiment lancer ça en grande pompe, faire un événement de tout ça pour que les gens soient contents de travailler dans ce projet-là. Puis on veut aussi bien définir ça va être quoi les règles de travail aussi dans l'équipe de projet, puis comment qu'on va fonctionner au niveau de la communication, puis au niveau de la réalisation de ce projet. Ensuite, on aimerait aussi avoir un tableau d'avancement pour que vraiment en temps réel, l'ensemble des employés qui travaillent sur le projet puissent consulter l'avancement du projet, vraiment savoir où on en est rendu, quelles sont les tâches accomplies, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, ça, c'est sûr qu'on vous propose aussi de travailler avec un logiciel de gestion de projet. On imagine que vous en avez déjà un dans votre entreprise, donc on pourra l'ajuster selon les besoins. On propose aussi une rencontre hebdomadaire avec l'équipe de projet. Quelque chose de tout de même bref, 30 minutes au milieu de la semaine, vraiment pour avoir l'attention de tous. Comme ça, on va pouvoir vraiment reconcentrer nos efforts à chaque semaine sur qu'est-ce qui est le plus important et faire un suivi constant. Ensuite, on propose aussi des rencontres mensuelles avec le comité de direction, comme on en a parlé dans la gouvernance. C'est très important de s'assurer que le projet sur lequel on travaille, les décisions qu'on prend durant le projet, coordonnent avec le comité de direction, donc le commanditaire, ainsi que les personnes responsables dans l'entreprise. Et on aimerait finir notre communication avec une célébration pour vraiment récompenser les gens à l'interne qui vont avoir travaillé sur le projet, les féliciter de tous leurs efforts, pour vraiment finir ça sur une bonne note pour vraiment que les gens aient envie aussi d'embarquer dans les projets de l'entreprise. Donc, pour ce qui est de l'exécution, qui est notre phase centrale, donc c'est vraiment là qu'il va avoir le plus gros de notre temps, donc le processus de demande de modification. Il va y avoir certaines modifications qui vont être faites soit par les utilisateurs, par notre table stratégique, par rapport à leurs commentaires, ou sinon par notre firme externe. Donc, on va avoir à
avoir une revue, donc un processus vraiment détaillé de savoir comment on va faire en sorte que ces modifications vont s'appliquer dans le projet ou non. Donc, il y a également le suivi d'avancement, il y a les mises à jour de l'ancien système et du site web, donc ça c'est vraiment important, puisque s'ils ne sont pas faits, notre projet ne marchera pas. Donc on doit vraiment faire les mises à jour pour assurer la cohésion entre les deux systèmes. Il y a également la formation, les tests qui vont être développés. Il y a également l'implantation par projet pilote. C'est ce qu'on vous propose, puisque vous avez demandé une implantation graduelle. Donc nous, on veut vraiment miser sur un projet pilote. Donc au départ, on va avoir le projet pilote, puis on va avoir la validation de celui-ci avec, suite aux ajustements. Et par la suite, l'implantation graduelle. On vous propose également de décommissionner certaines applications qui pourraient être désuètes dans le site Internet ou par rapport au loterie vidéo. Il y a également le lancement officiel qui va se faire pour le produit, donc ça va être à l'externe. Il y a aussi l'équipe de promo qui va faire la tournée de tous les détaillants, les points de contact. Donc, on va parler des tests, qui est quand même très important puisqu'on va développer un système puis on veut s'assurer qu'au final, quand il va être implanté puis qu'il va être utilisé par les utilisateurs, on ait le moins de problèmes possible, vraiment que ça soit le plus efficace. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de débuter vraiment par des tests modulaires, donc module par module, un élément à la fois, voir si séparément ceux-ci fonctionnent. Ensuite, on vous propose des tests d'intégration. Donc, deux éléments à la fois, est-ce que ça fonctionne toujours ou il y a des conflits entre les deux applications. Finalement, le test de performance, donc on va vraiment tester l'ensemble du système, à savoir si tout fonctionne ensemble. Pour faire ça, on va vraiment établir les limites de ce qu'on veut tester ou pas, c'est ce qui est important pour nous. Ensuite, on va établir divers scénarios de problèmes possibles et tout ça, le plus possible, les plus gros scénarios, là, même inimaginables, pour que si on augmente notre capacité, on puisse toujours avoir un système efficace. Ensuite, on fait les tests. Selon le bilan qu'on en fait, on va faire les ajustements nécessaires. Pour ce qui est du projet pilote, la proposition qu'on vous propose aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller une première fois à la table stratégique, comme on vous avait dit, avec les 12 joueurs par province. Donc, on fait le premier test avec eux. On recueille leur perception, tout ce qu'on devrait changer. Ensuite, on fait la modification et la mise à jour du système. Ensuite, la phase numéro 2 du projet pilote, ça va vraiment être d'aller dans les deux points de contact les plus importants de chaque province, d'instaurer, d'implanter le système et encore une fois, d'aller récolter tous les commentaires des joueurs qui ont utilisé ce système-là. Ensuite, on procède encore une fois à la révision du système et à la mise à jour pour ensuite, finalement, pouvoir faire l'implantation graduelle dans les 4 provinces. Et on veut faire l'implantation graduelle par ordre d'importance, dans le fond, des sites où est-ce qu'on retrouve les systèmes de jeu. Donc, pour ce qui est de la phase d'évaluation et contrôle qui est l'avant-dernière, il y a les mesures de performance de gestion de projet qui sont très importantes. Donc, tout au long du projet, devoir mesurer celles-ci. Il y a également les mesures de performance du système, donc voir le nombre d'anomalies qui pourraient arriver ou la cohésion entre les différentes applications. Il y a également le suivi d'avancement et une période de stabilisation qui est très importante pour voir est-ce que toutes les plantations soient bien faites et finalement le support qui va être fait en même temps que la stabilisation. Pour les indicateurs de performance, pour la gestion de projet, il y aura le taux d'encadrement qui est très important à mesurer, donc voir combien d'heures est accordé pour le soutien, donc le gestionnaire de projet ou les différents chefs des parties, donc ça pourrait être le chef de l'équipe marketing pour l'équipe de promotion, pour savoir le nombre de temps qui va être accordé pour la gestion de projet. Également, le pourcentage d'utilisation de la méthodologie. Donc, si tous les employés suivent la méthodologie qu'on a proposée avec les outils, les graphiques, les chartes. Également, le nombre de comptes actifs des utilisateurs pour voir si la fidélisation des joueurs a vraiment été efficace. Également, la perception du soutien par les employés. Donc, tout au long, pour la formation que ceux-ci ont eue. Également, par leur chef de projet, par le gestionnaire, à savoir s'ils ont été aidés dans leur travail.
Au niveau du suivi d'avancement, ce qu'on veut vraiment, c'est un tableau d'avancement en temps réel, comme on l'a mentionné, comme outil de communication, ainsi que au niveau, si on regarde la gouvernance, notre firme externe va vraiment communiquer avec le chef de projet constamment pour faire le suivi. Ensuite, notre chef de projet va avoir des rencontres avec notre comité de direction et le bureau de projet, donc il va vraiment, le chef de projet, coordonner l'état d'avancement, puis faire un rapport à toutes les parties impliquées dans notre gouvernance. En conclusion aussi, comme on l'a mentionné, on voudrait faire une célébration. C'est très important selon nous de récompenser les employés. Ensuite aussi, très important de faire une archive de ce qu'on va avoir fait, les bons coups, les mauvais coups, pour pouvoir mieux faire les prochains projets. Il y a également votre échéancier, donc vous nous avez donné certaines dates qui étaient fixes, comme le test qui devait se terminer à la période, donc au 16e mois, qui était au mois de septembre 2017. Également le projet pilote qui se ferait en même temps que les tests. Donc par la suite, il va y avoir l'implantation graduelle et le lancement officiel qui va être fait. Donc vous avez donné une période de 6 mois pour faire l'implantation graduelle jusqu'à le lancement officiel. Et également une période de stabilisation qui est très importante, comme je l'ai mentionné, et la conclusion. Donc tout ça va se faire sur une période de 24 mois, donc 2 ans, pour la totalité du projet. À la fin de la journée, qu'est-ce qui est différent pour le joueur à la suite de cette implémentation ici? Bien, dans le fond, selon ce que l'équipe marketing va déterminer qui est vraiment important, puis l'analyse qu'on va avoir faite des utilisateurs finaux, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'il y ait un sentiment d'appartenance aussi, puis qu'ils se sentent engagés, puis qu'il y ait l'impression qu'aller jouer avec le tri vidéo, ça a un avantage pour eux, puis quelque chose de plus positif que d'aller jouer à d'autres jeux de loterie, par exemple. Est-ce qu'on va leur offrir une carte ou un ordre d'utilisateur? En fait, vous avez proposé une carte de fidélité, également un compte en ligne, donc ils vont pouvoir voir leurs avancements, ainsi ils vont pouvoir se connecter, puis au fur et à mesure qu'ils vont jouer, ils vont pouvoir avoir accès à certaines vidéos pour le jeu responsable. Donc c'est vraiment la liaison entre les deux. Étonné, t'as mis le diapo, mais t'as pas pu en parler. Je vais poser une question dessus. T'as un budget de contingence. Si vous avez une idée. En fait, le budget de contingence, ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'aller avec les risques, comme on avait présenté auparavant, avec le tableau. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on veut mesurer l'impact monétaire de chaque risque qu'on pourrait avoir. Okay. Et ensuite, on va y aller exactement avec la valeur monétaire de chaque risque pour ensuite le mettre au budget de contingence. Quelque chose, dans le corps, il y avait des certains montants qui avaient déjà été préétablis. Oui, exactement. Ceux-ci sont par-dessus ce montant-là? Oui, en fait, c'est juste une suggestion parce que dans les montants qu'on a vus que vous aviez proposés, il n'y avait pas. En fait, on ne savait pas exactement où placer le budget de contingence. Et pour nous, c'est vraiment important parce que dans tout projet, c'est vraiment primordial d'avoir un budget de contingence. Voilà. Je garde ma question, ça, je vais prendre ça. J'ai aimé l'idée, vous aviez eu le table stratégique des joueurs. Mm-hmm. Yeah. Ça, c'était 12 joueurs par province, agit comme un sort d'advisory board, quelque chose dans ce genre-là. Est-ce qu'ils sont rémunérés? Puis si oui, il faut que ça inclue là-dedans ça aussi, je suis désolé. Oui, en fait, effectivement, ils vont être rémunérés. On va leur donner aussi des avantages au niveau de la fidélité, puis probablement d'autres avantages que la rémunération. Mm-hmm. On veut vraiment qu'ils soient valorisés et qu'ils aient envie de travailler avec nous. Donc oui, c'est à considérer aussi dans le budget. À voir aussi qu'est-ce qui avait été établi dans les chiffres qui avaient été déjà proposés. Probablement qu'il y avait aussi un budget attribué à ça. Il faut juste voir avec ce qu'on propose, les ajustements. Mélodie, pourrais-tu retourner à la diapositive 5, s'il vous plaît? C'est la structure que vous proposez. Où est-ce que vous recommandez que le processus décisionnel se fasse? Au niveau du contrôleur de projet ou au niveau du chef de projet? En fait, la décision va être toujours au chef de projet. Le contrôleur de projet, c'est seulement pour les délais et le respect du budget. Donc, c'est vraiment lui qui va dire, il va donner son avis au chef de projet. Par la suite, le chef de projet va pouvoir faire en sorte de mieux réaliser son projet, mais c'est pas lui qui va aller directement dire à toute l'équipe quoi faire.
Puis si je vous demanderais, selon vous autres, avec toute l'analyse que vous avez faite, si on veut réussir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est quoi les facteurs de succès ici? Mais comme on a dit, c'est vraiment la gestion de changement auprès des utilisateurs finaux. C'est vraiment un point très important parce qu'on sait que si l'utilisateur finaux n'utilise pas le système, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est vraiment pourquoi on a misé beaucoup sur la promotion, sur le support de l'utilisateur final. Si je fais une distinction entre la réussite de l'initiative et la réussite du projet, il faut dire que le projet lui-même est un succès. C'est quoi les mesures que vous utiliserez? En fait, c'est bien évident qu'il faut avoir un très bon contrôle des budgets, ensuite des délais. C'est évidemment, c'est ça qui va définir en partie la réussite de notre projet. Aussi, au niveau, un élément de facteur clé de succès, comme on mentionnait, c'est sûr que vraiment la définition des rôles puis la coordination entre toutes les personnes qui vont travailler, beaucoup de gens, ça peut aussi jouer. Donc, c'est un élément. Est-ce que vous avez suffisamment d'argent, sachant les budgets, pour faire la tournée de tous les établissements que vous voulez faire? En fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment la promotion. Premièrement, dans les 4 provinces, on avait choisi 2 points de contact, donc les plus importants de chaque province. Donc, la promotion va vraiment se faire à ce niveau-là. Puis ensuite, la promotion va se faire graduellement, tout dépendant le budget et tout ça. Mais vraiment, dans le principal, là, comme je disais, c'est vraiment dans les 4 provinces à 2 points de contact les plus importants de chaque province. Dans votre exécution, au niveau de la cédule, vous proposez d'aller par province, dans votre phase 2. Est-ce qu'on on rentre dans les provinces en même temps, les 4 provinces en même temps? En fait, l'implantation, ça va être fait graduellement suite au projet pilote. Donc, ça va être par province et puis par le plus gros jusqu'au plus petit point de service. C'est l'ordre que vous avez dit.